Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide sur Arthas, un personnage que j'aime beaucoup, bien entendu le roi Lich, très intéressant, alors que ce soit au niveau du lore bien sûr, mais surtout au niveau du gameplay. Au départ c'était un tank sur lequel je puais la merde, hein, il faut le dire, et j'ai beaucoup joué ce perso, et au final maintenant c'est l'un de mes meilleurs tanks, pour vous dire à quel point voilà, il faut persévérer. Maintenant limite dans mes meilleurs tanks, il y en a deux sur lesquels je peux la merde, Tyrael et Arthas. Du coup, Arthas c'est tout simplement, donc comme je l'ai dit, un tank, mais la petite particularité qu'il a, ce tank, c'est qu'il peut opérer à deux rôles enfin à deux postes différents. Donc son rôle c'est bien tanker, mais au final il peut occuper le rôle de main tank, donc c'est-à-dire être le véritable tank principal des rotations. Sachant que son point fort dans ce genre de cas, c'est tout simplement son kit de contrôle. Le fait qu'à partir du moment où il a attrapé quelqu'un, plus personne peut lui échapper, hein, c'est ça la grande force. On parlera aussi bien sûr des points faibles du perso, hein, le fait qu'il n'a absolument aucune mobilité. Mais ça c'est la grande faiblesse d'Arthas, surtout pour initier des teamfights. Et de l'autre côté, l'autre poste qu'il peut occuper, c'est celui de solo liner, celui on va dire d'off tank, ou on va dire, enfin ça peut être double tank pur, mais tout simplement en solo lane. Donc en solo lane, il peut avoir le rôle soit de tank secondaire, soit le rôle de briseur en fonction de certains talents que vous allez prendre. Donc Arthas, sa grande particularité en tant que tank, c'est d'avoir quand même beaucoup de dégâts, un petit peu à l'image d'un Diablo. D'ailleurs, c'est un petit peu les points forts d'un Diablo, mais de manière différente. C'est-à-dire que tout comme Diablo, il n'a aucune mobilité. Regardez le perso, hein, c'est un sac, c'est un camion Ben, hein, il avance pas. Par contre, il a énormément de contrôle. Et il a beaucoup de dégâts. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important avec Arthas. La différence avec Diablo, c'est que Diablo, c'est beaucoup de contrôles directs, brutaux. Hein, c'est-à-dire que bah, il va stun un mec contre le mur, il va l'enchaîner, il va lui mettre un deuxième stun. Et ensuite, il ne peut plus rien faire. La différence, c'est que Arthas, il n'a pas de gros stun comme ça. Il a un route. On en reparlera, mais il a un route. C'est la rafale hurlante. Hein, 10 secondes de CD, 62 mana. Ça va route de loin, mais l'animation est quand même un petit peu lente. L'animation est un petit peu lente. Et surtout, c'est pas si simple à toucher que ça, en fait. Hein, le route, on verra, ce sera pas si simple. Du coup, en dehors de ça, bah, en fait, les contrôles d'Arthas, c'est principalement le slow. Vous voyez, il va ralentir avec son E, donc avec la tempête gelée, donc 13 de consommation de mana par seconde. Le temps de recharge, bah, vous l'avez tout le temps en fait, hein, vous avez juste une seconde de délai entre chaque utilisation. Donc ça inflige 47 points de dégâts par seconde aux ennemis proches et réduit leur vitesse de déplacement de 10% par seconde. Donc c'est très intéressant, jusqu'à un maximum de 40%. Donc vous pouvez, en fait, graduellement ça va monter à un slow très important, et c'est ce qui fait que justement on ne peut pas lui fuir, et c'est impossible quasiment de fuir un Arthas, sauf si vous avez des outils de mobilité, par exemple un dash out, etc., pour pouvoir sortir de l'emprise d'Arthas. À côté de ça, en plus de la vitesse de ralentissement, il réduit la vitesse d'attaque des héros de toucher de 10% par seconde, et comme pour le slow, il peut monter à 40% de réduction de vitesse d'attaque. Donc par exemple, un Butcher qui va charger, Arthas il va appuyer sur E. Déjà le Butcher peut pas fuir, et même s'il veut essayer de trade le Arthas, et il va faire quasiment 50% de dégâts en moins, puisque la plupart des persos comme un Illidan, comme un Butcher, comme un Varian Twinblade, leur principal on va dire focus de dégâts se base tout simplement sur la vitesse d'attaque et sur le fait qu'ils pourront mettre plein d'auto. Alors que là, non, au final. Ils réduisent de 40% la vitesse d'attaque, donc c'est quasiment moitié moins de dégâts pour l'adversaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'Arthas est un énorme counter de tous les assassins mêlés qui jouent principalement sur leur vitesse, enfin sur leur auto-attaque et sur leur vitesse d'attaque. Butcher, Varian Twinblade, Illidan, ce genre de personnages. Donc Arthas, pareil, hein, l'autre point fort, c'est que s'il arrive dans la backline, s'il arrive à attraper quelqu'un, il peut pas lui échapper. Que ce soit par exemple les supports, la plupart des supports n'ont pas forcément beaucoup de mobilité. Vous attrapez une Tyrande, elle s'enfuit pas. Vous attrapez un Malfurion, il s'enfuit pas. Et ça, c'est la grande force bien sûr d'Arthas. Donc on va pouvoir y venir, mais en solo lane, Arthas par contre manque un petit peu de wave clear. On verra, il a un wave clear, il a du wave clear, mais c'est pas le plus rapide. La force qu'il a en solo lane, c'est qu'il est beaucoup plus dur à tuer, qu'il a quand même du CC, qu'il peut assister à des ganks, etc., etc. Donc Arthas justement, alors son passif, on en a pas parlé, on a commencé par le Z et le E pour vous montrer les points forts d'Arthas, les contrôles sur la durée, contrairement à ceux de Diablo. Et par exemple, Arthas, il a énormément de dégâts, notamment par ses auto-attaques. Hein. Vous voyez, je suis niveau 4, il met quand même des bonnes petites patates, il a une vitesse d'attaque relativement ok. Mais surtout le point fort, ça va être Frostmourne.
Donc, Deuil Givre est affamé, hein, le nom de Frostmourne est affamé, le passif activable, qui va permettre tout simplement eh bien, en fait, d'améliorer son auto-attaque. Donc, c'est un reset d'auto-attaque timer. Je vais essayer de voir le From Zero to Hero sur les resets d'auto-attaque timer, l'optimisation de DPS, etc. Mais en gros, le principe, c'est que quand vous l'activez, vous voyez, Frostmourne devient bleu. Donc ça c'est important, et ça veut dire que l'auto-attaque, la prochaine auto-attaque fera très mal. Elle fera beaucoup plus mal que d'habitude, puisqu'elle inflige 116 points de dégâts supplémentaires et rend 30 points de mana. 116 points de dégâts supplémentaires, là par exemple au niveau 4, c'est quasiment deux fois les dégâts d'auto-attaque, donc c'est quand même assez fort. Et en plus, ça rend 30 points de mana. Mine de rien, Arthas, c'est un de ses autres points faibles, il est quand même vachement manavore, puisque vous allez souvent rester sous E, et du coup la consommation de mana va partir très très vite. On y reviendra après. Donc l'intérêt aussi de Frostmourne, ce qui est très très important, c'est de faire du reset d'auto-attaque timer. Encore une fois, je vous laisse voir la vidéo pour plus de détails, mais le principe ça va être que, en fait, Arthas, vous voyez, entre deux auto-attaques, bah, ça met un peu de temps. La force de ce talent, c'est que ça reset le timing entre chaque auto-attaque. Donc vous voyez, faites une auto, vous mettez tout de suite Frostmourne, ça met instantanément une nouvelle auto-attaque. Et ça, c'est la grande force pour gagner un peu plus de DPS. Le dernier sort d'Arthas, c'est le voile mortel, temps de recharge 9 secondes. Vous avez un choix, soit vous le mettez sur vous-même et ça vous rend 307 points de vie, soit vous le mettez sur l'adversaire, ça rend 192. Bon là je suis niveau 4, hein, on va potentiellement réinitialiser les niveaux. Mais du coup, ça, donc la valeur de toute façon je rappelle elle monte en fonction des niveaux. Mais le principe, ce que vous devez comprendre, c'est que soit ça fait des dégâts à l'adversaire, pas non plus dégueulasse, 171 c'est pas non plus dégueulasse mais c'est pas non plus insane, soit vous le mettez sur vous même et ça vous soigne. Donc ça c'est vachement important, parce que quand vous prenez des dégâts, bah vous allez vous soigner directement pour essayer de tenir et tanker un petit peu les dégâts adverses. Donc ça c'est très très fort, et c'est ce qui fait qu'Arthas sur la durée il est vraiment bon, puisqu'il a beaucoup de sustain, enfin il va avoir accès quand même à une bonne sustain. En plus de ça, il va ralentir l'ennemi à l'infini, mettre des grosses auto-attaques, le root, et ça c'est très intéressant. Du coup, Arthas, maintenant qu'on a vu les capacités de base, on va pouvoir attaquer les talents. Talents niveau 1 d'Arthas, il y a honnêtement, la plupart du temps sur les paliers d'Arthas, il y a énormément de choses à dire. Donc peut-être que la vidéo de guide d'Arthas sera un petit peu plus longue. Mais au final, vous avez déjà, si vous voulez tanker plus, notamment les dégâts physiques adverses, sachant que ce talent 1 sera très souvent, soit si vous êtes en main tank, il sera plus, on va dire, par rapport à la compo adverse, est-ce qu'il y a beaucoup d'auto-attaqueurs? Imaginons un Hanzo, un Thrall, etc. Oui, là, la froidure va être très importante. Mais par exemple, c'est plus pour la solo lane. Quand vous jouez en solo lane avec Arthas, eh bien, la froidure peut vous faire gagner vos matchups. Par exemple, Arthas-Thrall, bah, la froidure au 1 d'Arthas, ça fait que Thrall, il va pas faire beaucoup de dégâts. Hein, donc, vous allez pouvoir dominer un petit peu votre 1v1. Et ça va être pareil avec d'autres solo laners. On peut imaginer contre Sonya, etc. Donc, la froidure, très intéressante dans ces cas-là. L'autre point fort, donc bon, la froidure c'est un blocage classique, hein, toutes les 5 secondes qu'on fait 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base, blablabla, cumule jusqu'à 3 charges. L'intérêt d'Arthas par contre, c'est qu'au lieu d'avoir un blocage avec 2 stacks, il en a 3, donc ça c'est super intéressant. L'autre point fort d'Arthas, ça va être donc la capacité, on l'a dit, le problème d'Arthas c'est atteindre son adversaire, ça c'est un énorme problème. Donc quelque chose que vous devez maîtriser avec Arthas, c'est le flanking, tout simplement, hein, vous arrivez sur le côté pour pouvoir bloquer Arthas. Et plutôt que de gank instantanément en mettant le root et d'avoir une chance de le rater, parce que là j'ai essayé de le mettre sur lui-même, il a esquivé forcément, plus c'est mon alter ego, il me connaît mieux que mon ombre. Mais le truc justement avec Arthas, quand vous gankez, l'idéal, alors bien sûr des fois vous n'aurez pas le choix, il faut mettre le root instant, mais si vous pouvez, bien sûr, dans l'idéal, c'est d'arriver sur l'ennemi en profitant de votre move speed, et ensuite une fois que vous avez appuyé sur eux, sauf s'il a la mobilité, bah, il est mort, vous pouvez le chase jusqu'au tour, donc ensuite c'est fini. Donc le principe très important avec Arthas, ça va être le hit and run, parce que je vois beaucoup d'Arthas par exemple sur les tables noires etc qui ne hit and run pas, et bah si vous ne faites pas de hit and run avec Arthas, le mec sort de votre emprise du E, vous le rattrapez plus parce que vous avez Arthas. Donc le hit and run est primordial sur Arthas, c'est super important pour pouvoir en permanence garder le E actif sur l'adversaire, c'est des dégâts, c'est du ralentissement, et en plus de ça, bah, ça vous permet d'auto-attaque tranquillement l'adversaire. Donc le hit and run sur Arthas est primordial. Le root, justement, comme je disais, la présence de givre, ça vous permet en fait de rattraper un petit peu le problème d'initiation d'Arthas, puisque à chaque fois que vous touchez un héros avec votre Z, une fois 5, alors ce qui est bien c'est que la quête en plus est très évolutive, donc une fois 5 héros touchés, ça réduit le temps de recharge de la rafale hurlante de 2 secondes, donc plus de contrôle, plus de hard CC pour Arthas, donc toutes les 8 secondes une rafale. Une fois 10 héros immobilisés augmente la portée de 30%, donc ça vous permet de toucher de très très loin, et à côté de ça, une fois 20 héros immobilisés, la rafale hurlante immobilise aussi les ennemis sur son passage. Le root normalement ne touche que le mec qui est atteint ici. Si maintenant eh bien, je route là par exemple,
eh bien le mec qui est sur la trajectoire sera route. Donc ça apporte énormément de contrôle, ça facilite l'initiation. Généralement quand vous êtes en main tank, vous aimez bien la présence de GIF pour justement plus facilement attraper les adversaires. Et le fait de pouvoir route tout le monde, c'est bête, mais c'est aussi des petits dégâts, c'est aussi des dégâts supplémentaires. Parce que le route, bon, il ne fait pas des dégâts de fou, hein, c'est 71 points de dégâts, mais au final ça touchera vraiment tout le monde. Donc c'est une augmentation de dégâts, une augmentation de contrôle, toujours très intéressant. Et enfin, moi c'est mon petit talent fétiche, mais faut faire attention, c'est très offensif. Là où celui-là est très tanky, on va dire, enfin dans l'utilitaire pur, celui-là est très tanking, celui-là est vraiment DPS. À chaque fois que vous utilisez Frostmourne sur un adversaire, vous gagnez 4, vous gagnez des dégâts supplémentaires, donc 4 points de dégâts par ennemi touché. Mais c'est pas terminé, puisqu'il y a aussi une quête, donc ça veut dire que ça c'est infini. À chaque fois que vous mettez des coups de Frostmourne, vous allez augmenter de manière permanente les dégâts de votre prochaine Frostmourne. Mais le truc, c'est que c'est pas fini. Vous avez une quête linéaire, par contre, elle, qui s'arrête à 10 stacks de Frostmourne, augmente la récupération du mana de 4 points jusqu'à un maximum de 40. Donc vous avez, vous devez toucher 10 fois de face tout simplement votre Frostmourne pour avoir eh bien, les 40 de régène de mana. Je rappelle que de base ça rend 30 points de mana, plus 40 ça fait 70 de coups en mana. 70 de coups en mana, c'est quasiment rembourser un Z donc d'Arthas. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça fait que vous avez un sort qui coûte plus de mana, donc c'est quand même super intéressant. Mais surtout, moi, ce que j'adore avec ce talent, c'est qu'avec Arthas, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'impact, notamment en solo queue, je trouve. Mais moi, par exemple, je l'ai même utilisé sur des tournois. Alors, faut faire attention, vous êtes plus fragile, tout ça, donc ça demande de vous adapter aussi à ce talent. Mais le truc, c'est que ce talent, ça vous permet d'avoir un énorme burst pour soulager un petit peu sur un focus. Quand vous allez arriver dans la backline, vous allez mettre un énorme coup de Frostmourne, le DPS, il va prendre 50%, il va prendre 20% de PV en moins, il va faire il va courir. Donc vous allez vraiment devenir une menace, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un build full Frostmourne, hein, juste le niveau 1 peut suffire. Niveau 4, on va passer niveau 20. On va passer niveau 20, voilà. Donc, on va sur le papier prendre froidure ou présence de givre. Donc, on va dire les présences de givre. Niveau 4, vous avez. Alors, un talent qui est vraiment très, très, très important sur Arthas. Ils ont essayé de réduire un petit peu l'impact, mais ça suffit toujours pas. Terre gelée. Réduit le coût en mana de la tempête de gelée de 2 points. Donc, au lieu de 13 coups en mana par seconde, ça passe à 11. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Mais surtout, ça, c'est vraiment. Donc, ça, c'est de base. Juste en prenant ce talent, déjà vous avez une réduction du coût en mana. Donc dès l'early c'est fort. Mais en plus de ça, infliger des dégâts aux héros adverses avec la tempête gelée. Donc plus vous faites de hit and run, plus c'est facile de faire gagner cette quête. Une fois les héros adverses touchés 150 fois avec la tempête gelée, le ralentissement des vitesses d'attaque et de déplacement qu'elle applique dure 1,5 secondes de plus contre les héros adverses. Alors là on dit, à quoi ça sert? De toute façon si le mec il est sous mon E, il n'en sortira jamais. Le principe en fait, c'est que comme ça dure 1,5 secondes supplémentaires de plus, si l'ennemi TP, par exemple, si c'est une Liming que vous l'avez attrapé et qui a TP out, au moment de sa TP, sur un Arthas normal, c'est fini, elle est plus slow en fait. Là, elle est slow en permanent, enfin elle est slow même après être sortie de votre emprise de la mort, on va dire. Du coup, vous pouvez la rattraper plus facilement ou poser un route plus facilement et à ce moment-là, la rattraper et la défoncer. Donc ça, c'est super intéressant avec Arthas. Donc terre gelée, c'est un indispensable. Mais il y a deux autres talents qui sont quand même pas mauvais, mais ça demande aussi une gestion du mana qui est plus dure. Ça va être les serres glaciales. Augmente la vitesse d'attaque de 3%. Donc ça, c'est généralement en solo lane pour pouvoir vraiment oblitérer votre 1v1. Par exemple, ça c'est... Enfin, attention, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. C'est un exemple, mais n'appliquez pas. Là, j'essaye de vous montrer un ensemble, hein. Mais Serre Glacial, par exemple, contre Blaze, il fut un temps, Blaze était l'un des meilleurs soliners du jeu, il a pris des nerfs, etc. Arthas explosait Blaze, notamment avec la Serre Glaciale, parce que l'augmente la vitesse d'attaque de 3% pendant 1,5 secondes chaque fois que Tempête Gelée inflige des dégâts à un héros. Donc ça ne marche pas en PvE, ça marche qu'en PvP. Mais le truc, c'est qu'en solo lane, vous allez souvent affronter en PvP aussi le mec. Donc... Le principe, ça va être de pouvoir vraiment duel en 1v1 votre adversaire. Ça va taper beaucoup plus vite, vous allez pouvoir taper énormément vite. On verra qu'il y a une synergie aussi avec le talent 7, mais on n'est pas obligé de la prendre. Mais le principe, par contre, c'est que vous n'avez pas la réduction du coût en mana, donc attention à la consommation. Et enfin, le Seigneur de la Mort réduit le temps de recharge de vol mortel de 3 secondes et augmente sa portée de 30%. Donc vous passez à 6 secondes sur le CD du vol mortel, ce qui est quand même pas mal pour plus de sustain et autres. Généralement, la portée, c'est aussi pour essayer de toucher des cibles très mobiles. Par exemple, des Tracer, des Genji qui vont beaucoup bouger très très vite, ça peut permettre de faciliter la touche et de pouvoir un peu plus... parce que le problème d'Arthas, c'est que si vous avez claqué un A sur l'adversaire et que derrière vous prenez le fight, vous n'avez plus de A pour vous-même, vous êtes quasiment mort. Du coup, faut faire attention à ça. Là, l'intérêt, ça peut être d'un peu plus spammer le A. Attention à la consommation de mana aussi, puisque le talent de mana, vous ne l'avez pas pris. Mais le truc, c'est que ça peut permettre un peu de poke contre une équipe, par exemple, qui n'a pas de sustain. Vous pouvez poke un petit peu dans les phases de jeu, récupérer
et repartir. Je dirais que c'est assez situationnel, mais c'est pas un mauvais talent. C'est pas un mauvais talent. Niveau 7, alors là on a des super paliers, un super palier pour Arthas qui est très important. On va commencer par la robustesse glaciale. Robustesse glaciale, c'est un talent qui est génial puisque toutes les 35 secondes, vous avez 25 de points d'armure pendant 3 secondes, mais en plus de ça, donc ça réduit les dégâts de 25%, c'est de l'armure générique, hein, pas physique ou magique, c'est de l'armure générique. Quand c'est pas précisé, je rappelle, c'est de l'armure générique, donc ça réduit tous les dégâts de 25%. Et en plus de ça, ça réduit de 75% la durée des slows, des routes et des stuns. Donc c'est un anti-chaîne CC de dingue. Arthas là-dessus, il est très fort. C'est l'un des... Après, il y a d'autres tanks qui ont des vrais purifs, mais lui, ce niveau-là, il l'a en plus souvent que les autres tanks. Donc c'est vraiment super intéressant. Par exemple, je sais pas, une rupture de gravité Keltas, into route de Malfurion, into... Si vous l'avez claqué, alors bien sûr, il faut avoir un réflexe et claquer avant. Mais si vous l'avez claqué avant, c'est ok. Après, de toute façon, il y a toujours une armure. L'armure, par exemple, bah, vous allez prendre un énorme burst, je sais pas, une pyro de Keltas ou autre chose. Vous l'activez, c'est 25 points, c'est 25 de dégâts en moins. Donc c'est toujours intéressant aussi contre le burst. Maintenant, moi, il y a un talent que j'adore, mais vraiment que j'adore. C'est le voile immortel. Je vous montrerai mon petit build perso à la fin. Je le conseille de jouer déjà un Arthas classique et ensuite de voir un petit peu ça. Mais du coup, le voile mortel, ça rend aussi des points de vie quand il est utilisé sur les ennemis. Donc si vous mettez sur l'ennemi, le voile mortel va revenir pour vous soigner. Donc d'habitude, il faut faire un choix. Soit on le met sur l'ennemi, soit on le met sur soi-même. Ça, c'est une petite entorse à cette règle, puisque ça va permettre de toucher les deux. Attention, l'animation du sort est assez lente. Hein, regardez, l'animation du sort est assez lente. Imaginez qu'il a fait la même chose en chemin inverse. Donc potentiellement, ça m'est déjà arrivé de mourir avant que le soin revienne. Donc dans ces moments-là, si vraiment le burst est énorme, eh bien peut-être qu'il faudrait, peut-être qu'il faut à ce moment-là repartir sur, on va dire sur le mettre sur vous-même. Peut-être que vous auriez pas dû l'utiliser sur l'adversaire. À côté de ça, donc ça c'est le voile immortel et surtout c'est pas terminé. Si vous le mettez sur vous-même, ça rend 50% de points de vie supplémentaires. Déjà, ça soigne pas mal. Là, ça burst de 50% supplémentaire. C'est quand même très très fort. Hein. C'est un anti-burst de taré, hein, le voile immortel. La différence, c'est que la robustesse glaciale, c'est plutôt quand vous allez être chain CC sur des stuns, etc. Vous pouvez pas vous bloquer. Si par exemple, il y a que des routes, à le voile immortel, vous pouvez le lancer même si vous êtes route ou slow. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, la connexion unique. Toutes les 3 attaques de base rend 4% du maximum de points de vie. Honnêtement, ce talent est très fort. Le problème de ce talent, et c'est pour ça qu'on le voit rarement sur Arthas, mais qu'il n'est pas mauvais. Encore une fois, il n'est pas mauvais. Le problème, c'est que celui-là, bah, il peut se faire à distance ou comme vous voulez, n'importe quand. Celui-là, c'est pareil. Le problème est à distance et autre. Celui-ci, c'est que au corps à corps. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça marche aussi en PvE. Donc ça, c'est fort. Pour faire les camps, pour push, etc. en phase de structure, ça peut vous soigner. Le problème de la connexion unique, c'est que si vous ne pouvez pas auto-attaque, c'est fini. Et Arthas souffre un petit peu du syndrome Stitches ou du syndrome Diablo. C'est comment tu veux auto-attaque. En fait, quand tu auto-attaques, t'es déjà dans la mêlée, c'est déjà trop tard en fait. Donc, c'est très compliqué de faire proc la connexion unique. Donc évidemment, quand on voit ce talent, généralement c'est plus en solo lane, quand vraiment on part sur un Arthas Bruiser en 1v1 qui veut tout détruire et qui va partir par exemple sur soit blocage, soit Frostmourne. Mais blocage marche très bien par exemple contre un Butcher, et tu veux jouer en solo lane, en idée de Bruiser bien sûr, Serre Glacial avec la vitesse d'attaque qui va te permettre eh bien, de faire proc plus souvent la connexion unique et du coup te soigner énormément. Parce que le soin est énorme, hein. Si vous pouvez auto-attaque, le soin est énorme. Le problème c'est que c'est très dur de pouvoir tout le temps auto-attaque parfois. Il y a des moments où vous aimeriez pouvoir vous soigner et vous pouvez pas parce que vous pouvez pas auto-attaquer. Et ça, c'est le problème. Niveau 10, on a l'armée des morts qui est un ultime vraiment très fort. Puisqu'il va invoquer des ghouls pendant 15 secondes, les sacrifier, rend des points de vie. Donc, ça, c'est un anti. C'est juste génial parce que dans un teamfight, vous voyez, vous mettez le R, des ghouls sortent du sol. Alors, vous avez vu que l'animation est quand même vachement lente. L'animation est quand même vachement lente. Et le truc, c'est que vous voyez, les dégâts sont quand même pas dégueux. Hein. Les ghouls sortent du sol et font énormément de dégâts. Mais le truc, c'est que si je me fais défoncer par exemple. Si je me fais défoncer, alors tapez-moi, alors ça va taper quand même un petit peu en fonction, donc je vais remettre les ghouls, je vais aller taper le boss et je vais remettre les ghouls. Alors attention, tous les sorts, vous avez vu, c'est des unités, donc tous les sorts ennemis par exemple en zone, là on va voir, il y a le boss, le stun du boss, il peut détruire mes ghouls, donc faut faire attention à ça. Et l'intérêt c'est que je peux claquer une ghoul pour me soigner, donc ça c'est très fort, et vous voyez par exemple les sorts de zone peuvent détruire les ghouls et à ce moment-là Arthas a très peu de régène. Mais l'intérêt ça va être de pouvoir faire des dégâts, hein, ça c'est cool. Mais surtout bien sûr pouvoir vous régénérer dans les teamfights. Entre le R plus le A, vous pouvez vous soigner de fou. Parce que le R c'est un soin de A, hein, sauf que vous en avez accès à plein quand même, hein. Je rappelle, il me semble que c'est 6 ghouls je crois. Donc là j'en ai 5, donc je crois que c'est ça, ouais, c'est 6 ghouls. Donc 6 ghouls c'est quand même
super important, je crois, hein, je vais le refaire. Ouais, c'est bien ça, c'est Seagull. Donc, Seagull, hein, Overwatch, tout ça, non, je rigole. Mais du coup, les Seagulls qui vont pouvoir faire des dégâts et pouvoir vous soigner si vous êtes dans la merde. Attention, comme je l'ai dit, la vitesse de lancement du sort est très lente. Donc, il faut vraiment, vraiment anticiper les dégâts que vous allez prendre. Si vous êtes surpris à la fin, Arthas, c'est beaucoup de connaissances de jeu aussi, parce que des fois, bah, vous allez arriver à plus de PV, vous faire « Ah putain, je dois mettre les ghouls ». Et à l'inverse, des fois, vous allez dire « Putain, il faut que je mette les ghouls, je veux lancer la fight ». Et en fait, bah, le fight, il va s'éloigner, vous allez claquer vos ghouls dans le vide. Un Arthas avec ghouls, c'est un Arthas très dur à tuer. Un Arthas sans ghouls, c'est un Arthas très facile à tuer. Donc, faut faire vraiment attention à ça. Et le truc, attention aux anti-heals aussi, puisque les anti-heals détruisent bah, tout simplement les ghouls. Vos ghouls vont vous allez claquer pour rien, donc faut faire attention aux anti-soins aussi. L'autre niveau 10, qui est un petit peu plus situationnel, que j'aime beaucoup, mais qui est très situationnel malgré tout, c'est la Syndragosa. Syndragosa, il y a deux véritables utilisations. Alors, après, on peut l'utiliser de plein d'autres manières, hein. Mais le principe d'abord de Syndragosa, c'est surtout pour se la jouer un peu Sylvanas, tout après à Sylvartas, c'est l'idée de, par exemple, bah, d'accompagner un dominateur, d'accompagner un immortel sur BOE, etc. Quand on veut plier la game très rapidement, eh bien, on prend Syndragosa. Alors, je crois que je suis trop loin. Non, je l'ai fait trop loin, parce que ça tape de très très loin. Oh, juste au pied, c'est terrible. Je pensais avoir la portée. Alors, la portée, vous voyez, quand même assez grande. Et en fait, le principe, c'est que ça va enlever tout simplement la tour. Donc, vous voyez la tour. Donc là, si je fais ça, bah les tours sont désactivées, le fort est désactivé, je peux aller me balader tranquillement. Je peux aller me balader tranquillement. Le fort me tape pas, il est désactivé. Donc ça c'est super intéressant bien entendu. Mais le truc de la Syndragosa, attention, parce que le problème c'est que les Syndragosa je les vois souvent mal lancés. Alors quand vous l'utilisez en siège comme ça, bon c'est facile, il faut essayer de toucher un maximum de trucs. Et on désactive tout, ça désactive, ah, très intéressant aussi, faut pas l'oublier, ça désactive la fontaine. C'est le Sylvanas par exemple, elle ne peut pas désactiver les fontaines. Or la Syndragosa, on peut pas se soigner en utilisant la fontaine. Donc ça c'est un petit point aussi qui est intéressant. Mais bon, vous n'allez pas claquer une Syndragosa, c'est 100 secondes de temps de recharge. Vous n'allez pas claquer une Syndragosa pour désactiver une fontaine, hein. L'idée c'est de le faire sur un fort pour pouvoir et faire, par exemple assurer la prise d'un T2, désactiver les défenses sur un dominateur pour qu'il soit économisé, pour qu'il puisse faire plus mal et pour que son équipe puisse s'engager. Je fais ma petite transition avec ça. Alors on le rappelle, c'est quand même 100 secondes de CD, 100 coups de mana, donc c'est fort. C'est un petit peu dur. 104 de points de dégâts et ralentit les ennemis de 60% pendant 4 secondes. Et ça neutralise également les serviteurs, c'est vrai que je l'avais oublié. Mercenaires, monstres et bâtiments. Donc par exemple, ça peut être aussi utilisable sur Braxis contre la vague de Zerg. Ou pour accompagner avec deux Zerg. Mais bon, si vous faites ça, vous avez... Le principe c'est que Syndragosa c'est offensif, vous avez vraiment besoin de l'armée des morts pour tanker, hein, avec Arthas. Donc le principe avec Syndragosa, c'est également si vous ne pouvez pas engage, si vous n'arrivez pas à trouver des axes d'engage et qu'il faut aider un petit peu à l'image d'une flèche du dragon d'Anzo et de trouver une axe, tout simplement réussir à forcer des choses, la Syndragosa. Parce que très souvent on lit, oui la Syndragosa c'est pour snowball, vous êtes devant, donc ça peut vous permettre de finir la game plus vite. Oui, c'est vrai. Alors attention, mesurez encore une fois mes paroles, l'armée des morts est indispensable dans le kit d'Arthas pour pouvoir tanker. Mais si vous êtes vraiment trop loin derrière par exemple et que vous avez besoin de trouver un axe d'engage, la Syndragosa elle va très très loin et elle permet justement à Arthas de pouvoir rentrer tranquillement dedans et d'aller péter la gueule à tout le monde et de faciliter l'engage de votre équipe. Le problème encore une fois c'est que c'est bien d'engager, si vous êtes dans la mêlée et que vous mourrez en 2 secondes, ah, c'est pas très worse. Donc faites attention, la Syndra c'est super, moi j'adore cette ult mais faut pas le jouer de manière débile. Il y a plein de combos avec la Syndragosa aussi. Le combo que j'appelle le combo du bled, c'est Syndragosa qui va ralentir tellement fort les adversaires qu'un Diablo a juste appuyé sur R. Les mecs sont là, non. Alors bien sûr faut le faire contre des persos qui ont pas trop d'escape, Kel'Thas, Malfurion, etc. Si c'est contre Liming, Genji, bon bah c'est pas très intéressant, hein. Mais du coup les mecs sont là, non. Et l'apocalypse, et c'est fini. Du coup c'est vachement intéressant bien sûr. D'ailleurs il y a des bonnes synergies avec Arthas, hein. Très souvent du Kel'Thas par exemple, tout ce qui peut faciliter, par exemple un Raynor, bah, qui est en permaslow, ou un Greymane qui est en permaslow, bah, les mecs vont profiter de l'exécuteur, etc. Il y a énormément de choses à faire. Alors on va remettre les vrais talents, le route, la terre gelée, la robustesse glaciale, l'armée des morts. Et c'est pas parce que vous jouez Bruiser qu'il faut jouer Syndragosa, hein. Au contraire, Bruiser vous avez encore plus besoin de l'armée des morts. Niveau 13, donc on va pouvoir parler de plusieurs talents. L'armure brisée, l'armure des héros adverse touchée par rafale hurlante est réduite de 15 points pendant 4 secondes. Donc c'est 15 points de dégâts supplémentaires pour toute votre équipe.
Évidemment, la synergie avec le niveau 1, la présence de givre est très très forte puisque ça vous permet eh bien, potentiellement de mettre une vulnérabilité sur tous les adversaires que vous allez toucher une fois la quête validée au niveau 1. Donc c'est quand même très intéressant. Donc ça augmente le beurre, sachant que Arthas, généralement, vous mettez un route. Là, le mec qui se fait route, il va prendre la Lali, hein, il va se faire défoncer. Donc l'armure brisée, c'est très fort, ça augmente de 15% bah, tous vos dégâts. Les dégâts du E, les dégâts des ghouls, les dégâts de Frostmourne. Donc c'est super intéressant. Donc généralement quand vous prenez ce niveau 1, bah, vous avez envie de prendre ce niveau 13. Mais il y a d'autres talents. Il y a d'autres talents, notamment la frappe, notamment le froid mordant, pardon. On va commencer par le froid mordant. On fait dans l'ordre. Froid mordant, chaque seconde augmente de 12,5% les dégâts que tempête gelée inflige à un même ennemi jusqu'à un bonus maximal de 50%. Vous pouvez faire potentiellement 50% de dégâts supplémentaires sur la tempête gelée. C'est absolument dingue, hein. C'est une dinguerie. Hein. Le froid mordant, c'est une dinguerie. Vous n'avez pas besoin, parce que je vois souvent des Arthas qui veulent partir des PS, franchement partout. Honnêtement, avec Arthas, moi, et je le joue en tournoi, hein. Juste Frostmourne au 1, froid mordant au 13, c'est bon, vous avez suffisamment de dégâts. Hein. Vous avez vraiment suffisamment de dégâts. Ensuite, il faut capitaliser sur la tankiness. Parce que c'est bien d'avoir des dégâts, si vous êtes mort, vous faites plus de dégâts. Hein. Donc, juste ces deux talents-là, ça peut déjà vous permettre de faire énormément mal. Vraiment de faire très 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 mal. Donc, froid mordant, c'est génial pour, par exemple, un Butcher, encore une fois, qui veut charger une équipe, vous appuyez sur eux, le mec, il est slow, donc il est ralenti à l'infini. Il voit sa vitesse d'attaque ralentie à l'infini et il voit ses PV descendre à l'infini. Donc ça, c'est quand même vraiment très fort. Et enfin, le dernier talent, c'est la frappe de givre qui réduit le temps de recharge de Frostmourne de 2 secondes. Donc vous passez de 10 à 8 secondes. Et Frostmourne est affamé, ralentit aussi la cible de 50% pendant 1,5 secondes. Le petit bémol, je dirais que l'intérêt, c'est d'avoir plus de régène mana, bien sûr, d'avoir plus de dégâts que Frostmourne. Le petit bémol, c'est bien que le mec soit slow. Mais normalement, bah, vous avez tempête du tiers gelé au 4. Le mec, de toute façon, sera en permanence slow. L'intérêt, c'est que le slow du 13 est un petit peu meilleur que le slow du E, puisque le slow du E est au maximum à 40%, celui-là est au maximum à 50%, donc le meilleur slow l'emporte. Mais j'ai tendance à dire qu'on s'en fout un petit peu du contrôle si on le prend surtout pour la réduction de CD, donc plus de dégâts sur Frostmourne et surtout plus de régène mana, c'est ça l'intérêt. Donc moi je trouve que la frappe du givre, personnellement, et pourtant je fais des builds Frostmourne, je trouve que c'est le moins intéressant. C'est peut-être l'un des talents les moins intéressants sur Arthas, il reste pas non plus dégueulasse, mais c'est pas fou par rapport, je trouve, à froid mordant et armure brisée. Niveau 16, alors là, il y a aussi des choses à dire, parce que ça, c'est vraiment très fort. Et on va commencer, alors le plus connu, bien sûr, c'est l'hiver impitoyable, qui va faire en sorte que 3 secondes, si un héros est touché par le E pendant 3 secondes, donc une seconde de slow, ensuite une seconde de slow, ensuite une seconde de slow, eh bien, il va être immobilisé pendant 1,25 secondes, donc il va être route. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 10 secondes. Mais en fait, on vous offre un Z gratuit à bout portant. Donc ça peut vous permettre, en fait, tout simplement bah, d'appuyer sur E. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Le mec, il route. Et à la sortie de votre propre route, vous mettez le vôtre. Facile à toucher, pas de problème. Donc ça, c'est vraiment fort. Pour offrir énormément de contrôle à votre équipe, c'est génial. Bien entendu, c'est génial. L'autre point, moi, que j'adore, c'est l'étreinte de la mort, qui est fort dans tous les aspects du jeu. Voile mortelle inflige davantage de dégâts et rend davantage de points de vie en fonction de la vie actuelle d'Arthas, jusqu'à un bonus maximum aux soins et aux dégâts de 100%. Le principe, c'est qu'en fait, plus l'ennemi a... Donc c'est en fonction des PV actuels. Donc moins vous avez de PV, plus ça vous soigne, moins l'adversaire a de PV, plus ça fait mal. Donc c'est un énorme finisher, mais c'est également une énorme source d'auto-sustain. C'est monstrueux, les soins des trappes de la mort. Les gens, très souvent je vois quand je suis en cast, et les gens se disent « Pourquoi Arthas est parti 16 sur le A au 16 alors que bah il n'est pas pris le A au 4 ni le A au 7 ?» On s'en fout, je vais vous montrer, mais on s'en fout en fait. Je vais prendre masse dégâts, déjà là je peux le mettre là. Boum, 768 de soins au niveau 20. Quasiment 1000 de PV de régène. Et moins j'ai de PV, plus ça me soigne. Donc bah là par exemple, je suis à 50%, boum, 900 de PV. 900 PV. C'est énorme, c'est juste énorme en termes de sustain. Donc je laisserai aux mathématiciens, bien sûr, dans les commentaires, me dire à peu près à quel niveau il atteint son stade maximal. Ça pourrait être intéressant. Enfin, le dernier niveau, si vraiment vous êtes free dans la game et que vous êtes très peu inquiété, ce que vous pouvez prendre, c'est Frostmourne sur EP. Donc porte le nombre d'attaques de base renforcées par Frostmourne à 2. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire juste... Eh bien là, imaginez que vous avez une deuxième Frostmourne. Donc ça va faire ça en fait. Ça va faire ça, tout simplement. Donc imaginez le truc, ça fait 60 de mana, c'est le coût, c'est un A à rembourser. Et en plus de ça, bah, vous infligez 217 de dégâts au niveau 20, bah, vous faites le double en fait, vous faites le double de dégâts. Je vous laisse imaginer, bien sûr, si vous êtes parti sur la fin éternelle,
qui augmente la régène mana, donc vous régénérez 140 de mana, et en plus de ça, bah, vous faites les dégâts et vous stackez plus vite, etc. Après, vous n'êtes pas obligé d'être parti sur Frostmourne 1 pour partir Frostmourne 16. Hein. Si vous, vraiment vous êtes free, prenez Frostmourne 16. Hein. Et pas obligé de faire un build Frostmourne encore une fois pour pouvoir prendre ce talent. C'est juste vraiment, c'est est-ce que vous êtes free dans la. Est-ce que vraiment personne ne vous fait de dégâts, vous n'êtes pas du tout focus. Là, oui, Frostmourne est vraiment intéressante. Niveau 20, mais moi personnellement, j'adore le A parce que ça peut servir de finisher, ça peut servir pour vous soigner, c'est génial. C'est juste génial sur le kit d'Arthas. Niveau 20. Je ne parlerai pas des ghouls améliorés que je vois beaucoup trop. Alors bien sûr, les ghouls améliorés, c'est fort. Hein. Ça augmente la durée, ça crée 3 ghouls supplémentaires, donc potentiellement 3 soins supplémentaires. Ça rend 50% de points de vie supplémentaires et ça dure 5 secondes de plus. En gros, les ghouls, c'est juste qu'elles sont comme les voiles immortelles, elles soignent un peu plus. Ce qui est très drôle de voir d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de... Tout le monde prend les ghouls, personne prend le voile immortel. Mais du coup, 3 ghouls supplémentaires, donc plus de soins, elles durent 20 secondes au lieu de 15. Et elles soignent plus. Ok, super. Mais c'est toujours 80 secondes de CD, c'est important. Or, je pense qu'avec Arthas, la force justement des ghouls, c'est que vous, quand vous l'avez, vous êtes génial, quand vous l'avez plus, vous êtes pas bien. Or, ce qui est bien, c'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc ce qui est très fort avec Arthas, c'est la carapace anti-magie. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est forte. Donc si jamais il n'y a pas trop de burst, évidemment les ghouls sont meilleurs. S'il n'y a pas trop de burst en face, les ghouls sont meilleurs. Imaginons vous êtes contre de la Lunara, des trucs comme ça. Oui, bon ok, il n'y a pas beaucoup de burst, partez sur les ghouls. Améliorer. Mais il suffit qu'il y ait un seul burster dans l'équipe pour que la carapace anti-magie soit forte. Et la carapace anti-magie, elle est pas juste forte. Elle est insane! Carapace anti-magie, temps de recharge 60 secondes, ça immunise contre les dégâts de capacité. Vous avez bien lu. Immunise contre les dégâts de capacité pendant 3 secondes. Et rend un montant de points de vie équivalent à 25% des dégâts bloqués. Alors sur le papier, la sustain, on se dit c'est fort. Non, la sustain n'est pas si ouf. Vraiment, la sustain n'est pas si ouf. Vous pouvez le faire contre une pyro, vous verrez, le soin est pas dingue. Et pourtant, c'est probablement le truc le plus burst du jeu. Donc c'est pas si ouf. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand vous faites ça, en fait, c'est comme si vous aviez 100 d'armure magique. C'est-à-dire que les dégâts magiques ne vous font pas de dégâts. Mais c'est une immunité contre les sorts, pas contre les dégâts magiques. Une pointe quantique de Tracer, dégâts en pourcentage PV? Je connais pas. Code ball, rien à foutre. Balle maudite de Greymane? Je connais pas. Extrême onction de Maltel, qui a un counter d'Arthas, hein. Je connais pas. C'est juste putain de trop fort ce talent 20. C'est insane. Ne pas considérer ce 20, c'est être fou. C'est juste être fou. Ce 20 est insane. Ensuite, vous avez un autre point. Si jamais vous n'aviez pas trop de burst et que vous avez besoin justement de faire des dégâts et autres, vous avez un autre talent 20 qui est vraiment pas mal et qui comble une des autres lacunes d'Arthas. Mais bon, encore une fois, si vous avez des soucis, c'est un petit peu embêtant. C'est l'avancée de la mort. Temps de recharge 50 secondes, ça augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes. Donc vous êtes en vitesse de monture pendant 3 secondes, mais surtout ça augmente la vitesse de déplacement de 10% en permanence. Donc ça veut dire que bah, vous allez beaucoup plus vite. Bien sûr, ça c'est fort, mais au 20, l'utilitaire mobilité c'est bien. Mais si vous faites one shot, ça sert à rien. Donc encore une fois, c'est plus si vous êtes free dans la game par exemple, que vous n'avez pas spécialement besoin de sustain en plus ou d'anti-burst, bah là l'avancée de la mort est très 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 forte. Et enfin, le dernier 20, c'est le 0 absolu. Ça double la distance du vol de Syndragosa, ça immobilise, donc ça va très très loin, hein. Je rappelle la Syndra, ouais non je l'ai pas, mais ça va très très loin. Bon ça on s'en fout un peu, immobilise l'héros adverse pendant 2 secondes, ça c'est important, un route de 2 secondes, en plus du 16 et en plus de ça, bah ça peut être fort. Et dernier point, ça les ralentit, une fois le route terminé, ça les ralentit de 60% pendant 3,5 secondes, donc c'est un énorme contrôle. Personnellement, je pense qu'il devrait augmenter les dégâts de la Syndragosa, genre faire la Syndra inflige 20% de dégâts supplémentaires ou un truc comme ça. Je trouve que c'est trop d'utilitaire, je trouve que c'est beaucoup trop d'utilitaire pour un niveau 20 personnellement. Donc je suis pas forcément fan du zéro absolu. Et pourtant j'adore la Syndragosa, mais je trouve pas que le 20 soit insane. Sauf si vraiment vous avez besoin des contrôles de taré, renforcer des... Mais ça reste 100 secondes CD, ou alors ça devrait réduire le temps de recharge. Moi je vois soit une augmentation de dégâts, soit une réduction du temps de recharge de la Syndra. Genre bah, la Syndra elle passe à, au lieu de 100 secondes, elle passe à 80 ou 75 secondes. Ça ce serait un marché un peu plus honnête je trouve. Parce que là, pour moi le zéro absolu est pas insane. Quand vous voyez les autres niveaux 20 d'Arthas, je trouve pas que le zéro absolu soit dingue. Donc voilà pour Arthas. Maintenant on va pouvoir parler un petit peu de talent, de build avec Arthas. Donc ça c'est le build très main tank, très classique je dirais d'Arthas. Ok, donc ça voilà, classique. Vous avez un autre talent, alors encore une fois, chaque palier, hein, c'est pour ça que je fais ce guide, hein, ne copiez pas les builds, écoutez bien le guide, écoutez, comprenez les synergies, etc. Un autre build
qui va être un peu plus solo. Alors lui là c'est le build vraiment bruiser, un V1 solo lane. Encore une fois celui-là je le déconseille, j'aurais même tendance à vouloir faire mon propre build avant celui-là. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc serre glacial pour la vitesse d'attaque, connexion runique pour la sustain. Mais encore une fois s'il y a du burst, prenez robustesse glaciale. Alors, c'est bien d'avoir pris connexion runique, si vous mourrez parce que vous faites burst, super. Niveau 10, armée des morts, bien entendu, c'est encore plus important dans ce build, puisque vous allez prendre plus de risques. Niveau 13, donc le froid mordant, ça augmente les dégâts du E, donc c'est un truc de dueliste. Niveau 16, étreinte de la mort, ça vous soigne, ça finit plus l'adversaire. Ou le route, si jamais vous voulez plus facilement auto-attaque, hein. Si vous avez des problèmes pour pouvoir auto-attaque vers un pitoyable, c'est bien. Sinon le A, plus de soins ou plus de burst, hein. C'est comme vous voyez. Le route peut servir à plus auto-attaque, mais encore une fois, l'étreinte de la mort est très très forte. Et au niveau 20, soit l'avancée de la mort pour pouvoir, soit les ghouls, si vraiment c'est la merde. La carabance anti-magie, s'il y a du burst. Et l'avancée de la mort, si vous êtes free, l'avancée de la mort c'est génial, hein. Ça peut vous permettre de plus facilement auto-attaque, donc vous soignez, donc blablabla, etc. Donc là, le 20 je ne le montre pas, c'est en fonction de vous. Maintenant mon build à moi. Mon build à moi, que je joue en compète, j'adore, je trouve que c'est... Vous avez tout en fait avec ce build, vous avez des dégâts, vous avez des contrôles, vous avez tout. Même si, encore une fois, c'est de l'exotisme, ce n'est pas le gros build Arthas, etc. Fin éternelle donc, le Frostmourne au 1, Terre gelée au 4, Voile immortel au 7, puisque c'est... En fait l'intérêt du Voile immortel plutôt que l'Orbitesse glaciale, c'est le soin permanent et le fait que ça vous sustain énormément. Le A c'est toutes les 8, toutes les 9 secondes, l'Orbitesse glaciale c'est toutes les 35 secondes. Donc toutes les 35 secondes vous avez potentiellement 3 qui vont vous soigner comme pas possible. Donc la sustain du 7 est vraiment très très forte. Et puis c'est des petits dégâts en DPS, ça vous permet aussi de claquer facilement, plus facilement le A sur un adversaire. Niveau 10, Armée des Morts ou Syndragosa. Niveau 13, Froid Mordant. Plus de... Mais encore une fois, ça m'est déjà arrivé de changer. Hein. Mais froid mordant pour les dégâts. Niveau 16, étreinte de la mort. S'il y a besoin de contrôle, hiver impitoyable. Si j'ai besoin de dégâts, si je suis free, frostmourne. Donc étreinte de la mort. Et au niveau 20, la carapace anti-magie généralement. Mais encore une fois, les deux autres sont très très forts. Donc ça, c'est mon build à moi. Ah, bah bref. Mais où il est con. au choix. Donc voilà pour les builds un petit peu d'Arthas. Sachant qu'encore une fois, c'est modulable à l'infini. Hein. Là, je m'ai mis route au 1, mais en même temps, vous pouvez tout à fait partir blocage, etc. Je vais pas revenir dessus. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de guide d'Arthas. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, Arthas, en plus, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Le roi Lich, tout ça, tout ça. Donc ma vie pour Ner'zhul. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Posez vos questions dans les commentaires. Il y a toujours des petits points. Je mets à jour parfois dans les commentaires s'il y a eu des gros changements. Donc merci à vous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Dans le Nexus.